La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sofiane, je suis en compagnie de Nassim et de Yacine. Ça va être un Yes Man Bouffe 100% famille. Tout a été fait maison. Regardez la dinguerie. On a été préparé par Sofiane et Yacine. Des piccolini, des tacos, des frites et des pâtisseries à la fin. Le concept, il est super simple. On a un dé et un tableau. Je te laisse aller regarder. Donc là, il y a un dé, un tableau avec des chiffres et on va voir qui va tomber sur quoi. Faites vite s'il vous plaît, j'ai faim. T'as faim? J'ai faim. Inch'Allah, tu manges. Eh, tu sais quoi déjà, une étoile de 1. Laissez-moi vous dire, il y a quoi dans le tableau. Numéro 1, burger poulet bacon. Ok. Numéro 2, tacos viande. Numéro 3, ramadan. Tu vois l'œil. Numéro 4, burger steak. Numéro 5, pizza. Et numéro 6, ce que tu veux. Okay. Tu fais un 6, tu graisses ce que tu veux. Par contre, on va faire un truc avant. Vous allez noter votre fin de 1 à 10. Sofiane, ta fin de combien à 1 à 10? Un bon 7 sur 10. Hein. Younes? Un bon 8. Et toi, Nassim? 10. Oh là là. Le jour, il a pas mangé. Vas-y, bah tu sais quoi, on va faire celui qui a le plus faim qui commence à jeter son dé. Là, on fait les deux burgers au poulet. Poulet, c'est un. Il faut faire quoi, les gars, pour le poulet? Franchement. Donne-nous des sauces, Sofiane. Qu'est-ce qui va bien? Un peu épicé. Ok. Faut tout le temps un peu épicé. Et bien sûr, avec le poulet de la barbecue. Oh là là là. C'est un banger. Eh, ça veut dire quoi, un banger? Franchement, je sais pas. À chaque fois, je dis ça, mais je trouve que ça veut dire un truc de ouf. Franchement, c'est les meilleures sauces avec le poulet, la famille. Tu les combines. Fais-moi plaisir, mets le bon fromage, s'il te plaît. Le cheddar. Oh là là là. Les tranches de poulet. Deux tranches de poulet. On met pas de crudité parce qu'on sait jamais. Il y en a, ils aiment pas les crudités. Du tacos avec Sofiane. Donc là, il nous fait des tacos viande hachée. Oh bon, moi je préfère qu'il y ait un peu plus de frites que de viande. Je suis désolé, les gars. Et toi, t'as c'est un incroyable. Rapport, les frites dans le tacos, c'est incroyable, vraiment. D'ailleurs, vous êtes des hypocrites, des gros hypocrites. Parce que vous êtes les premiers quand on va au McDo ou au Quick à mettre des frites dans votre sandwich. Là, elle a l'air dangereuse. D'ailleurs, Ramadan, c'est bientôt le ramadan. Non, il y a le temps. Il y a le temps, je me rassure. Il y a le temps. Ça, c'est ta sauce. La sauce fromagère, c'est incroyable. J'espère que je vais tomber sur le tacos. Hein. Oh là là. Ok, du coup, Nassim va commencer. Donc, si tu fais un 6, t'as ce que tu veux, mec. C'est parti. Inch'Allah, il fait un 3 ramadan. C'est pas bien. Oh, le 6! Le 6 de Nassim! Tu choisis quoi, Nassim, du coup? Tu peux prendre absolument ce que tu veux. Comment ça, ce que je veux? Ce que tu veux! En quantité, en quantité! En tout, en tout! Oh lolo! Nassim déjà inaugure le truc avec une frite en vrai. Non, je vais être généreux. Enfin, gentil. Généreux avec toi-même, s'il te plaît. Ok, un tacos. Ok, ensuite. C'est quoi les sandwichs? T'as un poulet, un steak. Poulet, steak, comme tu veux. C'est quoi les sauces? Alors là, par contre, c'est au hasard. Au hasard. Mais c'est bon, c'est des bons trucs. Ça, c'est, j'aime pas ces sauces-là, okay. Du coup, je penche sur ça. Oh lolo, il a pris le Big Mac. C'est bon pour ça, c'est tout. Prends un piccolini, frère, c'est grave bon. C'est un banger, ça. Les frites, c'est bon. Non, ouais, je vous laisse le reste. Ça, moi, j'aurais pas fait ça. Vas-y, on te laisse. Ah, et là, je joue plus? Bah, peut-être, on sait pas. Donc, c'est peut-être. Mais ça se trouve, ça va me caler. En bref. Vas-y, bah, inaugure. Inaugure, test et dis-nous note de 1 à 10 à chaque fois. Ça, c'est la base, les petites pizzas. C'est basique, ça, c'est super bon. Et il y a de l'eau, par contre. Il y a de la ice tea, frère. La ice tea, par contre, c'est pour tout le monde. Ouais, la ice tea, c'est pour tout le monde. J'ai ramené pour tout le monde. Ça doit être incroyable, ça, le tacos. Fait par Sofiane. Il est bon, le tacos ou pas? Donne une note. Quelle sauce? Ah, il y a soit samouraï, soit blanche. Je pense qu'il a samouraï. Ouais, mais je sais pas, attends. C'est la douille, c'est pour retaper des côtés. Là, comment il commence à tricher? Ah, il s'est mis. C'est blanche, toi. Okay. Ouais, c'est bon. Ouais. Combien sur 10? Ça, je mets 6 parce que c'est basique. Bon, oh, Smarley, c'était très grave là. Ça, je mets 8. Et ok, allez, et le sandwich? Ça, je sais pas, c'est quelle sauce du coup qui est tombée. Il doit être incroyable, le Big Mac. Ça m'aurait. Il est bon? Ça, je mets 9 et ça, je mets 8. Ok, c'est vraiment incroyable. À mon tour, regarde, ok, autour de Younes. Imagine, tu refais un 6. Regardez Younes, le emoji. Vas-y, quand tu veux. 2. C'est quoi 2? Tacos, viande, frites. Ah, t'es bien. Ça va, je suis tacos plus viande plus frites. Vas-y, va prendre ton tacos. Je sélectionne mon tacos. Attendez, par contre, on va remettre ça. Par contre, c'est un ou deux tacos? Un seul. Wow. Viande plus frites. Ok, allez. Donc là, Younes, t'as des sauces, tu peux faire ce que tu sauce veux. Barbecue, ouais. Et on va te laisser inaugurer ça. Un peu de sauce barbecue, comme il dit. Ah ouais, j'avais vu une vidéo de Sofiane qui défiait Younes dans les crocs. Il a dit, ramenez-moi Younes, je vais l'éclater. Ouais, on va se régler aujourd'hui, Sofiane. Okay. Vas-y, Younes, montre-lui. Montre-lui, c'est quoi un vrai croc. Bien joué, les frites. Parce que c'est lui qui a tout fait avec ouais, Sofiane, il a tout visé. Bien joué, les frites. Je les ai achetés à Auchan. Elles sont bonnes. T'as vu? Vas-y, Younes, montre-lui c'est quoi un vrai croc et après, Sofiane, il te montrera. Vous allez juger dans les commentaires. Ouais,
c'est ça un vrai. Oh, c'est très fort. C'est fort. C'est un vrai. Bah, tu penses faire mieux? C'est ça un vrai. C'est fort quand même. C'est fort quand même. C'est très très fort. C'est niveau Ligue des Champions, Sofiane. C'est pas le niveau de l'OM. Vous allez voir. Vas-y. Après, je vais tomber sur rien. Vas-y, bah, Sofiane, lance ton dé. Lance ton dé. Franchement, Sofiane, je te mets 8,5 sur 10. Franchement? Très très bon. Ah ouais? Vas-y, Sofiane il va lancer son dé. Ouais. Est-ce que c'est possible, comme j'ai vu dans les autres vidéos, tu dis. Attends, tu manges plus. T'es tombé sur quoi? Non. Alhamdulillah, la même chose que Younes. C'est quoi? Tacos. La même chose que Younes. Prends ton taco, c'est. Subhanallah, on dirait Dieu, il a voulu que tu montres à Younes. C'est vrai. Montre-lui. Je garde ma taille. Montre-lui, Sofiane. Regarde, tu vois ton taco. Vas-y, attends, on va voir la taille. C'est quoi la taille? On fera la taille après. Vas-y, croque au même endroit si tu peux. On va voir. Bon, je l'ai éteint. Non, mais après, on va voir la taille. Peut-être la taille. Oh, Smahli, ça se joue à pas grand chose, mais Sofiane, il t'a dépassé là. Non. Je suis désolé, Younes. Parce que je suis désolé. Vous deux, vous avez fait la cuisine ensemble. Je suis désolé, Younes. Ça se joue à pas grand chose, encore une fois, hein, mais Sofiane, c'est devenu le boss. C'est devenu le boss de la famille, Sofiane. Bon, maintenant, laisse-nous quelques secondes pour finir ça et on passe au deuxième tour. Vas-y. Prochain tour, sauf que cette fois-ci, on change de rôle, c'est Sofiane qui commence. Allez, Sofiane. Un 6. 6! Oh là là! Voilà 6! Choisis ce que tu veux, Sofiane! Quelle erreur! Quelle erreur! Il mérite parce qu'il a cuisiné en vrai. Quelle erreur! Du coup, Sofiane, tu prends quoi? Fais-moi plaisir, prends le premier truc. Désolé, hein, mais quelle erreur vous venez de faire! Fais doucement, vous avez la cime, il a été gentil. Fais-toi plaisir. Déjà, mais reste raisonnable. Merci, balakallahu fik, Sofiane. Il a raison, les piccolini. Le taco, franchement, moi j'ai trop kiffé, je vais te kiffer. Mais non! Ok. Et après, il y a burger steak, burger truc. Attends, mais achète ce qui est le nom. C'est pour après les pâtisseries. Ah, ok, je te conseille de prendre le poulet. Qu'est-ce que tu vas prendre, Sofiane? C'est quoi comme ça? Mais c'est celui à la samouraï, il s'est trompé. C'est celui-là, la samouraï. Du coup, tu prends le celui à la samouraï. Ouais. Oh là là. J'ai fait les mêmes alors. Vas-y, Sofiane, tu vas pouvoir inaugurer ça. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Déjà, les piccolini. J'ai une question, est-ce qu'il y a droit à des échanges? Ouais, ça sera le dernier tour. Je veux coopérer, on verra. Hey, je vous promets, les piccolini, c'est incroyable, les gars, ceux qui peuvent tester. Ouais. Par contre, il y en a au port, faut pas les acheter au port. Hey, j'ai grave chaud de tomber sur 3, j'ai pas envie de faire le ramadan. Le burger, oh là là, le burger. Bah, allez, double cheddar, double steak, double. Ça va arrêter d'aller au taco, ça va aller. Double plaisir. Tu valides? Magnifique, masterclass. Il est trop bien. Sincèrement, tu vas tout finir? Allez. J'ai dit, ça fait 8 jours, ils n'ont pas mangé. J'aurais dit, 8 jours, ils n'ont pas mangé. On attend la prochaine visite. Revenez tous les jours. Les gars, on a ramené de la grise, on attend la prochaine visite. Bon. J'ai grave chaud. Vas-y, Younes, autour de Younes maintenant. Il va pouvoir tester son dé. Moi, je dis Younes, il va faire le 4. Je le fais là. Le 4. Oh, c'est un non. Je vois le 4. Ramadan. Burger. Ah non. Burger steak. Du coup, ah bah. C'est un steak. Oh, vas-y, je te l'accorde. Ah, attends, de gars, y a plus de steak. Burger, vas-y, tape ton pro. Écris burger steak bacon. Burger steak bacon. Tu me voles des choses. En vrai, c'est le jeu, il a raison. Du coup, laisse-le là et tu prends celui-là, toi. Putain, tu fous l'aide, vraiment. Elle est belle. Oh, le Big Mac. Mais vraiment, vraiment bon, viens voir. Regardez comment il est. Il a déjà été entamé, mais c'est pas grave. Mais ça, qu'est-ce que c'est? T'es dit, les piccolini, c'est un banger. Du coup, Nassim enchaîne. Nassim, tu vas faire un 2, je pense. Par contre, comment j'arrive à prédire tout ce qui se passe? Il va faire un 2, je me dis. Oh, 3, c'est quoi 3? Ramadan! Mesdames et messieurs! Mesdames et messieurs! Ramadan! Vas-y, va finissez vos trucs, après on refera un autre tour. Okay. Sauf qu'en vrai, c'est Nassim qui commencera après, vu qu'on rechange les tours. Vas-y. Bon, la famille, ils ont fini leur plat principal. Maintenant, il y a un dessert. Il y a des pâtisseries différentes. Et on va faire un truc. Comme par hasard, ils sont devant moi, je dis ça. Vous allez tourner une bouteille que je vais vous donner tout de suite. Elle est juste ici, vous allez la tourner. Et selon sur qui ça tombe, il va décider qui mange quoi et il va répartir toutes les pâtisseries à tout le monde. Mais qui la tourne? Moi, je peux pas la tourner et filmer en même temps les frères. Vas-y, je vais la dire, vous inquiétez pas, je suis pas un menteur. Si ça tombe sur lui, on recommence. Vous êtes prêts? C'est moi, Yacine, t'as vu? Mais non, mais c'est le bouchon blanc. Ah, t'as vu. Ah, bien. Je savais pas, c'est Nassim, les amis. Vas-y.
Du coup, Nassim, tu peux ouvrir déjà des cartes. Attends, non, attends, il doit choisir, mais sans regarder ce qu'il y a. Il choisit, regarde ce qu'il y a, il fait tout. Il sent, il goûte, il fait tout ce qu'il veut. Waouh. Le triangle de Florian. C'est très chocolat. Du coup, tu prends une pâtisserie pour toi, Nassim. Attends, d'abord, regarde ce qu'il y a là. Nassim, j'ai pas envie de regarder. Nassim, tu t'es gentil, je parle entre chocolat, s'il te plaît. Là, c'est que pour moi. D'abord pour lui, d'abord. D'abord, il s'attribue un truc pour lui, d'abord, attribue ton truc pour toi, d'abord. Vous avez une minute pour me convaincre. Ok, une minute, on commence par Sofiane, c'est parti. Sachant que tu dors chez moi, déjà, Nassim, argument de poids, je t'ai laissé mon lit. T'as un putain de lit double, tu dors dans un bon confort. La dernière fois, je t'ai ramené au Chicken Tag, t'as bien profité de ta soirée. Franchement, en plus là, la télé, je te pose là, je t'ai descendu la Play 5. C'est-à-dire que j'ai enlevé mon setup. J'ai perdu tout en bas. Ok, stop, Younes. Moi, j'ai juste un truc à dire. Tu sais que je suis un peu addict au sucre. Donc fais-moi plaisir. Ok, Nassim, du coup, déjà prends un truc pour toi. Choisis pour toi. En fait, j'hésite entre les deux. Je sais pas c'est quoi le mec. T'hésites entre les deux. Ça m'a l'air plus raffiné que ça déjà. T'as mangé le rocher. Je vais prendre le rocher. Ok. Bah vas-y, bah tape ton petit croc dans le rocher. Peut-être c'est un bluff. Peut-être tu voulais l'autre. Non. Il faut faire un choix. C'est des malades. Ouais, je vous ai écrit. Les arabes pour des gâteaux au chocolat, pour nous, c'est pire que de l'argent. Vous avez écrit, à prendre droit à laisser ou quoi? T'as le droit de goûter. Ouais, t'as le droit, tu fais ce que tu veux, c'est à toi. Hein. Je peux goûter. Mais quand il y a un bouton, il doit le choisir. Tu goûtes, et après tu choisis de le garder ou de pas le garder. Mais par contre, t'as pas le droit de faire un croc abusé. T'as pas le droit de faire un croc abusé si tu goûtes. Si tu fais un croc abusé, tu le gardes. Tu vas dire, je veux l'autre, comme ça il goûte l'autre. Du coup, tu fais quoi? Si tu goûtes l'autre, c'est fini. Ouais, je sais pas. Bah, si tu goûtes l'autre, c'est fini, tu gardes l'œuf. Eh, hey, t'as entendu ce qu'il a dit, hein? Si tu goûtes l'autre, tu gardes l'autre. Ouais, tu fais quoi du coup? Si tu goûtes celui-là, tu dois garder celui-là. Tu veux le goûter? Je veux le goûter quand même. Bah, tu gardes celui-là. Ça, vas-y, goûte, teste, on va voir s'il va avoir du regret ou pas. Il a plus droit. Ok. Attends, il a les dents noires. Du coup. Laisse-moi voir. Nassim, le rocher, tu l'attribues à qui? Pierre Feuille Ciseaux Coussec. Pierre Feuille Ciseaux. Yeah! Younes, prends le rocher. Younes. Elle est belle, elle est douce. Et du coup, les beignets, t'attribues à qui les beignets? Je vais attribuer un beignet. À Sofiane? Ok, bah vas-y, mangez pour l'instant. Attends, la dégustation. Goûte, teste le rocher du coup. En plus, regarde, on passe à la gorge. Oh là là, il y a du chocolat blanc. Ah, oh, lui, il fait un bon croc. Il a fait l'amour. Il est bien. T'es trop bête. Mais celui-là, tu veux goûter? Attends, mais par contre, tu as un ours merlé. Ah non, les gars, un beignet, c'est tous les beignets, hein, Sofiane. Il a tous les beignets. Vous avez 20 secondes pour échanger et faire goûter à l'autre ce que vous voulez faire goûter. Je veux voir goûter ça. Ah, bien. Moi, je veux bien. Vas-y, je te laisse goûter. Je prends un beignet, Younes, se vient d'avoir fait un croc de taille du beignet. Il y a du jus dedans. Il y a des beignets, il y a de l'eau bizarre dedans. C'est grave. À ce point-là? À ce point-là? Qu'est-ce qu'il a? En fait, il est allergique à un truc, non? Je veux voir. Il est pas allergique à un truc? Du caramel dedans. Peut-être il est allergique. Il est pas bon. Hein. Ah ouais? Je te jure, il est pas bon. Doucement. Mais si, il a tapé tout le truc. J'ai dit un croc. T'as allergique à un truc? Il est pas bon. Il est dégueulasse. Ouais, il est dégueulasse. Ah bien. Wow. Reprends ton. Mais du coup, Nassim, si tu veux prendre un beignet, t'as le droit. Bah oui. Myriam, elle arrive après le Yes Man. Parce que ce fait, c'est bizarre. Myriam, goûte et donne-nous ton avis sur le fondant au chocolat. C'est un truc de la pâtisserie, de la boulangerie. Tu mets une note sur 10, tu mets combien? 10. Comment tu en Ah bien. Parce qu'en fait, tu sais quoi? C'est vrai, en fait, j'ai été surpris par quoi? Le caramel. En fait, non, j'ai croqué et tout était visqueux. Il n'y avait pas de pâte. J'aime pas le caramel, mais j'aime beaucoup le chocolat.